Rivalité à Mibu. Alors, ça fait suite un petit peu à la mission qu'on a eue auparavant avec lui. Il était nécessaire d'augmenter nos liens. Alors, pour ça, soit on l'emmène en mission avec nous. Moi, généralement, ce que je fais, je leur offre des cadeaux hein, pour améliorer nos relations. Et petit à petit, on dépasse le seuil Ah, nécessaire. par ici. Ah, c'est toi. Quelques nouvelles. Nous avons confirmation que la bande de l'autre jour est bel et bien liée à Serizawa. Ce n'est pas tout. Nagakura et Todo ont creusé un peu et ont appris que les lutteurs de sumo faisaient également partie des hommes de Serizawa. Ah. Serizawa nous a dit qu'il servait le shogun avec le même état d'esprit que nous. Il a intégré pour cela le Shinsengumi avec toutes les forces dont il disposait. Ah. Je pensais qu'il était un allié en qui nous pouvions avoir confiance. Mais ses actes d'extorsion et ses débauches savinées sont allés trop loin. Nous ne pouvons plus laisser Kamo Serizawa agir à sa guise. Lui et ses hommes doivent être mis à mort. Nous ne pouvons tolérer que quiconque menace l'ordre public à Kyoto. Même si ce sont des membres du Shinsengumi. Le seigneur Katamori a déjà approuvé notre décision. Il ne dépend plus que de nous, de la mettre en œuvre. Ce sera sanglant. Les hommes de Serizawa savent se battre. J'espère que tu seras à nos côtés. Bien. Avec ton aide, nous ne pouvons pas échouer. Nous savons déjà où les trouver. Ils mangent ensemble à l'un de leurs repères habituels. Alors c'est là que nous irons. En avant. Par ici. Je pensais que nous étions camarades. Alors je ne l'ai jamais puni. Mais Serizawa est allé trop loin. Ce sont les sbires de Serizawa. Va me faire le guet. Je suis surpris. Allez, voilà, ça je pensais que vous étiez des hommes du Shinsengumi. Vous n'avez donc aucune fierté.
Allez, Kondré, va terre ici. J'espère que nous aurions l'occasion de croiser le maître. Tu as renoncé à la voix du samouraï. Je refuse de te laisser vivre. Je vais t'envoyer dans l'au-delà avec tes vieux rêves poussiéreux. Kondo. Il fallait que nous le fassions. N'est-ce pas, Toshi? Tu as fait ce que doit faire un chef. Il est de ton devoir d'éliminer ceux qui ternissent le nom du Shinsengumi. Pas question de revenir en arrière. Tout samouraï qui déshonore notre mode de vie en subira les sanglantes conséquences. Sinon, aucune justice n'est possible. Qu'importent les changements qui bouleversent la société? Je suis un samouraï. Et je veux protéger ce que cela signifie. Le Shinsengumi devra en faire autant. Dans le monde dans lequel nous vivons, tu risques de devoir un jour affronter tes anciens camarades. Prépare-toi au jour où cela arrivera. Oui, évidemment. Je ne sais pas pourquoi j'ai cru que je devais te rappeler cette évidence. Parfois, nous devons faire taire nos émotions afin de rester fidèles à la vie que nous avons choisie. Telle est la nature du monde dans lequel nous vivons. Nous sommes occupés de Kamo Serizawa et de ses hommes, Seigneur Katamori. Splendide. Tu as fait tout ce que tout grand chef doit faire, Kondo. C'est bien. Merci pour ce généreux compliment, Seigneur. Le Shinsengumi va devenir de plus en plus important dans les jours à venir. J'espère pouvoir continuer à compter sur ton dévouement au Shogunat et au Japon. Oui, Seigneur. Vous avez entendu. Le Shinsengumi va continuer de faire prévaloir les valeurs véritables des samouraïs. Mais je ne me berce pas d'illusions. Ce ne sera pas toujours le cas. Je suis un combattant à l'ancienne. Et je suis bien conscient qu'un jour viendra où ma façon de penser sera obsolète. Ce jour-là, j'espère que vous porterez toujours fièrement le nom du Shinsengumi tous les deux. Cela me serait vraiment d'un grand réconfort. Ça ne sert à rien de penser ainsi. Tant que je serai là, tu ne risques pas de devenir obsolète. On peut toujours compter sur toi, Toshi. Mais bon, n'oublie pas. Je mourrai avec plaisir pour ce en quoi je crois. Mais je n'ai aucunement l'intention de vous emporter avec moi. Je sais que ce n'est pas à moi de te demander ça. Mais si quelque chose devait m'arriver, j'espère que tu seras là pour Toshi et Soji. Ah, merci. Cela m'ôte un poids des épaules. Tu peux me croire. Rien de tout cela n'aurait été possible sans toi. Je ne doute pas que nous ayons besoin de ton aide à l'avenir. Toshi et Soji sont comme des petits frères pour moi. Et toi, ton amitié est sans égale. Je sais, ce n'est pas forcément ce que tu veux entendre. Mais je ne fais que dire la vérité. J'espère que tu nous aideras encore en cas de besoin. Merci.